Bien le bonjour à tous, Isaac Frostifi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 5, intervention gendarmerie. Donc aujourd'hui, on joue le PSIG, peloton surveillance intervention gendarmerie. Donc là, voilà, ça fait quelques mois qu'on est sur une affaire. Donc voilà, on attendait que les trafiquants, justement, passent à l'action pour de nouveau qu'ils fassent un nouveau trafic de drogue, mais avec la drogue nécessaire. Donc là, maintenant qu'ils ont la drogue nécessaire, on va pouvoir intervenir. Voilà. Et en plus de ça, ces fous seraient justement dans la zone. Donc là, on va tout simplement prendre notre hélico de gendarmerie afin de regarder tout ça. Donc c'est parti, on y va. Allez, collègues, montez. Donc voilà, on va chercher. On va voir exactement où il se trouve. Allez, c'est parti. Puis je crois qu'il va commencer à y avoir du brouillard là. Donc, ça va être compliqué à voir. Mais dans tous les cas, on va les retrouver, ça c'est sûr. Puisque cette opération, il faut qu'on la mène au mieux. Alors, voyons voir. On va regarder dans la zone. Pour l'instant, rien à signaler. On n'observe rien d'anormal pour l'instant. Voilà, les petits trafiquants ont décidé de faire gros aujourd'hui, un très gros trafic de drogue. Il faut absolument qu'on intervienne, qu'on les prenne en flagrant délit et qu'on perquisitionne cette drogue. Ok, d'accord, je crois avoir repéré la zone de drogue, je pense. Je pense qu'on a repéré tout ça. On va se poser délicatement en tentant de pas se faire repérer. Il y a pas mal de brouillard là. Allez, on se pose, on se pose. Ok, je pense qu'ils sont là. Hop. Ok, les gars. Bon, discrétion totale, ok? Discrétion totale. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Bon, déjà, ils ont essayé de barricader tout ça. Allez, collègues, là. Discrétion totale. Ok. Alors déjà, point négatif, on a des types armés. Donc voilà, lorsqu'on va vouloir intervenir, ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut observer là? On a un chien là-bas qui essaie de surveiller. Alors moi je vais prendre ma jumelle, on va regarder ça de plus près. Oula, on a carrément une tourelle avec un type dessus. Bon là on va carrément appeler GIGN hein, pour ces genres de trucs. Ok, on est le PSIG, on est bien armé, mais là à mon avis l'intervention va être assez musclée je pense. Alors est-ce qu'on peut observer des drogues ici là? À mon avis ça doit être dans les conteneurs, je pense. Et dans tous les cas, gros trafic qui a lieu là. Mais ce type là, je sais pas ce qu'il cherche, mais là ils ont quand même sorti de la grosse artillerie. Bref, ok. Donc nous on va commencer à sortir les armes. Donc les collègues, voilà, vous suivez bien mes instructions. Les types sont armés, donc là ça va être assez compliqué, je pense. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir des gros coups de feu. Donc je pense qu'on va demander l'aide du GIGN et on va attendre qu'il soit sur place et on va intervenir. Voilà, donc le GIGN est en route. Alors, ok, moi je vais me coucher. On va passer discrètement. Allez, ok. Déjà, on a un type en haut. Est-ce que je peux lui dire de s'arrêter sans qu'on se fasse repérer? Telle est la question. Monsieur, c'est le PSIG! Les mains en l'air immédiatement! Les mains en l'air, voilà, ne bougez pas. Vous savez très bien que je tire une balle dans votre tête au premier faux pas. Voilà, restez au sol tout de suite et baissez votre arme. Ok. Très bien. Ouh là là, ouh là là. Ok, il y a l'autre là. Alors lui, ça va être le plus dur, hein. Ça va vraiment être le plus dur à abattre.
Parce qu'il y a une tourelle juste à côté de lui, il peut vraiment faire des grosses conneries. Ah, on entend bien les sirènes, le deux ton du GGN. Ok, bon, ils sont là, c'est bon, on peut tirer. Ok, le mec. Laisse tomber. Ok, c'est bon, il s'est fait abattre par mes collègues. Ok, là, ça part en cacahuète. On appelle le GGN. Monsieur, c'est le PSIG. Peloton intervention, peloton surveillant gendarmerie là. Donc voilà, ça fait des mois qu'on vous cherchait. On attendait que vous passiez à l'action pour votre trafic de drogue. Donc ça suffit maintenant, on va perquisitionner tous vos drogues et je vais vous demander de vous rendre immédiatement. Qu'est-ce qu'on a des tics? Allez hop, lui il veut m'attaquer. Il sait ce qui lui en coûte. Ok, c'est bien les collègues là, progressez, progressez. Si on doit abattre, on va abattre, hein, malheureusement, c'est comme ça. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, d'accord, il y a un type caché dans le conteneur. Les mains en l'air, stop! Les mains en l'air immédiatement, les mains en l'air, les mains en l'air, mets-toi au sol. Ok, regardez-moi toutes ces quantités de drogue là. Mets-toi au sol immédiatement, je t'ai dit là, putain. Mets-toi au sol, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez hop, lui on le menotte. Allez, mets-toi au sol. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, je t'ai dit là. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Ok, les collègues, est-ce que le GIGN est sur place? Je sais pas. Bon, pour l'instant, je pense qu'on a abattu les types armés. Les plus dangereux. Ok, c'est bon. Oh putain, on a un collègue qui a été abattu là. On a un collègue qui a été abattu, merde. On a d'autres types. Ah ok, on a un type armé là. C'est bon, je l'ai abattu. Bon, j'ai besoin du GGN là. Je vois pas de monde du GGN. Oh, ok. Allez hop, on les abat. Oh putain. Ok. Regardez-moi toute cette quantité de drogue là. Je vous ai dit que c'était une grosse affaire. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on continue de progresser. Donc là, je pense qu'on a pu neutraliser la plupart des trafiquants là, qui étaient visiblement armés et prêts à ce genre. Ah ok, je crois qu'on a le GIGN en haut là. Ouais, on a le GIGN. Attends, je vais regarder ça. Si c'est bien eux. Ouais, ok, on a le GIGN. Le GIGN est là. Très bien. Donc ok, je comprends pourquoi il y a tous ces corps à terre. C'est tout simplement le GIGN qui a fait son travail, tout en finesse comme d'habitude. Voilà les hommes du GIGN qui arrivent. Ok, ça tire encore. Que se passe-t-il? J'allais regarder ça. Que se passe-t-il? Ah d'accord, ok. Il y a encore une autre zone. Regardez-moi tous ces membres du GIGN qui sont là. Moi, c'est vraiment le type qui était à la tourelle qui m'a fait peur, hein. C'est pour ça que je les ai appelés. Enfin bref, nous, notre boulot, on va le faire. On va commencer à regarder toutes les quantités de drogue qu'il y a sur place. Alors, voyons voir. Hop. Est-ce qu'il y a encore des types armés? Oula, oula, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, madame, mettez les mains en l'air, tout de suite, les mains en l'air, tout de suite. C'est le PSIG là. Vous êtes en état d'arrestation. En flagrant délit. Allez. Ok. Merde. Allez, hop, en état d'arrestation. Très bien, donc c'est pas n'importe quoi. Ils ont fait vraiment une base et tout. Non mais regardez-moi ça, quoi. En tout cas, je suis très content que cette affaire fût résolue. Voilà, on les cherchait depuis un petit moment. On va également appeler les maîtres chiens. Pour qu'ils puissent vérifier pas mal de choses. Oula, ok, on a un collègue du GGN qui repère peut-être une autre attaque. Voilà, d'ailleurs, voilà, nouveau skin du GGN que j'ai fait. Regardez-moi ça, il est pas mal, hein. Je le trouve vraiment stylé. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres petites armées, d'autres personnes armées, comme la dame qu'on a pu voir à l'intérieur du bâtiment là. Bon, je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on a fait le taf, vraiment. Mais bon, vaut mieux vérifier quand même.
Et juste après ça, on partira sur notre Ok, intervention. donc on reprend les interventions. Apparemment, il y aurait un véhicule contenant de la drogue repéré par nos officiers. Donc là, on va aller immédiatement sur place. Ok, c'est ce véhicule-là qui se rapproche de nous. Donc je vais lui demander gentiment de s'arrêter. Ok, madame. On va établir un petit contrôle, d'accord? Apparemment, votre véhicule. Il y aurait de la drogue à l'intérieur. Oh là 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 là, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'elle va prendre les collègues là? Putain, faites-la sortir du véhicule. Oh, toi, tu sors du véhicule là. Putain. Oh là là, c'est pas possible. Sors du véhicule là. Bon. Sors du véhicule. Mets-toi à terre tout de suite. Au sol, au sol, au sol, au sol. Oh putain, le collègue. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol, dépêche-toi. Putain, mais ainsi pris pour une diva, mais moi je vais la plaquer, moi. Mets-toi au sol. Au sol, au sol, au sol. Allez. Non, mais j'hallucine, quoi. Nicole Reynolds, Madame Nicole Ok, Reynolds. donc toujours en intervention, cette fois-ci pour un trafic de drogue. Donc voilà, alors apparemment là on aurait un type qui va établir, va faire son petit réseau de drogue et va tout simplement commencer à dealer. Donc nous notre but c'est quoi? C'est le prendre en flagrant délit. Voilà. Donc on va essayer de se cacher discrètement et d'observer la situation au loin et intervenir bien sûr pour le plan prendre en flagrant délit. Alors, voyons voir. Bon, nous on va sortir. Alors, observons la situation. Je pense pas que DC nous voit. Alors, voyons voir. Alors, est-ce qu'on peut le voir d'ici? Non, on ne peut pas le voir d'ici. Ouais, on peut pas le voir d'ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer avec mes collègues. Ouais, ça va être un peu compliqué là. Attendez. Ah oui, ok, je le vois là. Ouais, je le vois, je le vois. Je le vois, je le vois. Il est là. Voilà, c'est lui. Donc voilà, on va tout simplement attendre. Voilà, avec son maillot de Chelsea. On va tout simplement attendre qu'un type veuille lui acheter de la drogue. Oh, ok. Qu'est-ce que j'observe là? À qui parle-t-il? Il attend quelqu'un là, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Très bien, est-ce qu'il aurait, il aurait pas vendu la drogue là à la dame? Bon. Ok. Je pense qu'il est là, c'est l'heure d'intervenir. On n'a pas bien vu, mais je pense qu'il a, il aurait vendu la drogue à la dame. Donc déjà vous, hop, en état d'arrestation. Ouais, en état d'arrestation là. Allez, au sol, au sol. Au sol. Putain. Ok, l'individu nous tire dessus. Au sol là, baisse ton arme, putain. Ok, j'étais obligé de l'abattre. Voilà. Qui me tire encore dessus? Ok, ça tire, ça tire. Ok, on a des individus armés maintenant. Très bien, on va appeler le GIGN. Oh, ça part en cacahuète. On a nos membres du PSIG aussi qui tirent. Donc voilà, donc cet individu-là vient de vendre de la drogue à la dame. Et il était aussi armé. Il nous a tiré dessus, j'ai dû riposter. J'attends l'arrivée du GIGN. Allez, ça suffit, là, les mains en l'air. Ok, ils arrivent, ils sont là. Nickel. Allez, ça suffit là, baissez votre arme. Ah, ils veulent pas baisser leur arme. Hein. Ok, le GIGN est là. Allez, on va les abattre. Ok, nickel. Bon, les individus ont été neutralisés. On va appeler tout simplement des coroners pour les emmener à la morgue. Ok, de retour en intervention. Donc là, apparemment, il y aurait un trafic de drogue. On va aller regarder tout ça.
Attends, je vais voir par où on peut passer pour vraiment être discret et pas se faire repérer. Très bien. Ok, ça va être compliqué, je pense. Attends, j'essaie de voir par où on peut passer. Je pense qu'on va se mettre de l'autre côté du trottoir avec mon collègue là, histoire de vraiment se faire discret. Alors, on a déjà trois collègues sur place. Alors, où est l'individu là? Je ne le vois pas. Avec le brouillard, ça aide pas en même temps. Ah, je crois que je le vois. Très bien, c'est lui là-bas là. On va bien, on va vérifier tout ça. Ouais, ok, c'est lui. Avec le maillot Pirlo. Ah, d'accord. Très bien, donc on va le laisser faire son petit trafic. On va observer la situation, nous. Je pense pas qu'il nous voit d'ici. Donc voilà. On a de toute façon des collègues sur place là. Je sais pas si je les vois d'ici. On a des collègues qui sont mobilisés pour l'opération. Voilà, on a des collègues ici. Normalement, on a un autre caché derrière. Mobilisé pour l'opération. Donc voilà, allez, on va retourner à notre Pirlo là. Maillot de la Juventus. Alors, voyons voir. Ok, ça y est, il va commencer à faire son réseau là. Il commence à vendre. Ok, la drogue a été vendue. Bon. Ça y est, on peut se préparer à intervenir là. C'est parti. Allez, on y va. Je vais prendre des armes à l'intérieur de mon véhicule. Hop. Ok, nickel, on peut y aller, c'est parti. Isaac Frostifi est prêt pour l'intervention. Oula, on va faire attention de pas de se faire rire dessus. Ok, ça tire là? Non, je sais pas d'où ça tire. Gendarmerie, les mains en l'air. Allez, tu t'arrêtes là. Allez, stop, les mains en l'air, les mains en l'air. Non, non, tu peux pas escalader. Allez, mets-toi à terre, dépêche-toi. Au sol, au sol, au sol, allez. C'est le psych là, peloton, surveillance, intervention, gendarmerie. On connaissait vos réseaux de drogue. Ça fait depuis un moment qu'on vous regarde et qu'on vous observe. Jusqu'à vous prendre en flagrant délit. Voilà. Ok, nickel. Donc toi, tu vas me suivre. Je vais t'emmener à bord de mon véhicule. Donc voilà, nickel. Lui, on l'a pu l'attraper. C'est nickel. On va l'emmener au poste et voilà. Ok, donc là, on a un individu à la bord d'un véhicule qui apparemment il contiendrait de la drogue. Donc on va aller voir ça. Hein. On va essayer de le rattraper immédiatement. On va l'arrêter. On va établir un petit contrôle. Et s'il s'avère que c'est vrai, bah, on va procéder à une arrestation. Voilà, c'est simple. Donc je sais pas vers où il se dirige. Wow. Conduire là. Alors j'ai mon collègue avec moi normalement. Ouais. Donc je sais pas vers où il se dirige lui par contre. On va essayer de le rattraper au plus vite. Ah, on a un collègue. Vas-y, monte, dépêche-toi. Dépêche-toi, vite. On a un collègue paumé là. Allez. On va essayer de le rattraper au plus vite. Il a l'air assez loin quand même et il m'a l'air de rouler assez vite aussi. On va essayer de le rattraper. Ok, on est plus très loin. Et au niveau de la plage, là, j'ai l'impression. Donc voilà, le central nous a dit que ce véhicule-là aurait forte probabilité qu'il possède de la drogue. Donc on va voir ça tout simplement. Voilà, on voit le véhicule là. Allez, on va lui dire gentiment de s'arrêter. Attention,
Allez, on s'arrête. Gendarmerie, on s'arrête. Allez, on se met sur le côté. Voilà. Ok. Ok, direct. Direct un délit de fuite. Bon. On va appeler, on va demander un air support là. Ok, donc on a un poursuite d'un individu, il a fait un délit de fuite. On va lui demander de s'arrêter au plus vite. Sinon ça va mal aller, ça va s'empirer. Et alors il est où? Il est là. Allez, arrête-toi. Arrête-toi, stop. Putain. Il est où? Oh là, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Allez. Putain. Cette fois-ci, arrête-toi là. Putain, c'est pas possible, hein. Il est déterminé. Allez, ça suffit là. Allez, putain, c'est grave. C'est grave. Bon. Puisqu'il veut pas s'arrêter, bah on va devoir devenir plus méchant. J'ai dit plusieurs avertissements, il veut pas comprendre. Voilà. On a le GGN. Allez, arrête-toi. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va comprendre que ça sert à rien? Allez, stop. Allez, tu sors. Sors, les mains en l'air. Allez, au sol. Au sol. Regardez-moi. Regardez ce qu'il a acheté là. Ça, c'est un carton de drogue, ça. Voilà. Donc, on va réquisitionner. On va prendre ça déjà. Alors, monsieur, je peux savoir ce que c'est, ça? Hop. Hein, je peux savoir ce que c'est, ça? Ça, c'est de la drogue. Voilà. Voilà, monsieur. Donc, vous avez jeté ça avant de qu'on vous arrête. Mais on n'est pas bête, hein. Bref, donc lui. Hop. On va le mettre en état d'arrestation. On va prendre la drogue. Et puis après, nous, on va se quitter là-dessus. Donc voilà, c'était la partie 5 intervention gendarmerie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.